Salut les barbus et bienvenue sur ce mini épisode de la Grotte du Barbu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai été contacté par Sonia de Banggood, qui est un site chinois qui vend plein de trucs et qui m'a dit tiens, si tu veux, je te file 80$ et puis ben, teste des trucs à droite à gauche. Donc c'est ce que j'ai fait. Au lieu de tester un gros truc qui coûte 80$, je me suis dit, je suis allé fouiner sur le site et aller trouver des trucs qui peut-être, potentiellement, pourraient vous intéresser. Et la première chose que j'ai trouvée, je me suis dit, mais ça a l'air génial ce truc. C'est quoi? C'est des feuilles. Comme des feuilles d'or, mais c'est du cuivre. Des feuilles de cuivre. Oh, ça a l'air trop cool. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un truc que j'ai imprimé en 3D et je vais essayer de la recouvrir avec des feuilles de cuivre. Allez, c'est parti. Bon alors, ça donne quoi? Ça donne ça. C'est complètement foireux. Alors de loin, ça rend super bien. De près, c'est complètement caca. Alors, bien sûr, je l'ai fait sans me renseigner avant. Il aurait fallu polir la surface, ce que je n'ai pas fait. Il aurait fallu dégraisser la surface. Et bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de l'huile de lin. J'ai fini par mettre de la colle cyano. Le résultat, on va lui donner 4 sur 10. Hein, 4 sur 10, pas plus. Mais c'est drôlement rigolo. Alors, ils vendent aussi des feuilles d'aluminium, comme ça, des feuilles très fines d'aluminium. Et franchement, je trouve ça super fun. C'était une expérience. Je me suis pas du tout renseigné. Je vais me renseigner. Et peut-être que dans un prochain épisode, je vous montrerai comment utiliser des feuilles de cuivre ou des feuilles d'aluminium pour recouvrir tous vos trucs de cuivre ou d'aluminium. Expérience foirée, mais en tout cas, pour... Ça coûte combien, ça? Pour 3,98$, vous avez 100 feuilles qui font 14 par 14. Donc, déjà, on peut foirer des trucs à droite à gauche, c'est pas grave puisque c'est pas cher. Et on va pouvoir recouvrir de cuivre plein de trucs rigolos dès que j'aurai trouvé comment est-ce qu'on fait. Donc, si t'es un barbu et que t'as déjà fait ça, avec, je sais pas, des feuilles d'or, des feuilles de cuivre, des feuilles de platine, des feuilles de machin, n'hésite pas à laisser des commentaires, bien sûr, pour m'expliquer où est-ce que j'ai foiré exactement. Et dans un prochain épisode, eh ben, je retenterai ça de façon un petit peu moins foireuse. Pour ceux que ça intéresse, bien sûr, je laisserai le lien dans la description. Comme d'habitude, maintenant vous connaissez la procédure. Si tu as des questions, des insultes, tu n'hésites pas. Tu as envie de me dire que je suis une grosse merde et que je ne sais pas du tout poser les feuilles de cuivre et tu as complètement raison, ben, tu sais comment faire. Email, Twitter, Facebook, Instagram. Tu laisses bien sûr des commentaires et tu t'abonnes pour suivre les nouvelles aventures qui arriveront dans pas longtemps. Voilà, c'est tout pour ce mini-épisode, un épisode rigolo qui m'a permis de mettre un peu les doigts dans l'espèce de feuillage de machin truc en faisant un truc foireux, mais si c'était pas aussi cradoc, je pense que le rendu serait vraiment cool. Donc on va essayer de faire un effort dans un prochain épisode et de trouver la méthode qui marche. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.